C'est déjà l'heure de la reprise et en décembre, les grandes équipes se rassemblent à l'occasion des stages de préparation. À Chantonnay, l'équipe Bouygues Télécom nous a ouvert ses portes pour un détour en coulisses. Mais au fait, un stage, ça consiste en quoi ? Le programme, justement, c'est l'affaire de Didier Rousse. Le directeur sportif de la formation vendéenne doit répartir ses 27 coureurs sur 279 jours de course. Comment s'y prend-il ? Et outre les premières sorties d'entraînement, les stages offrent aussi l'occasion de soumettre les coureurs à des tests d'effort. Côté court, on s'affaire autour des vélos. À un mois de la reprise, le matériel doit être réglé à la perfection. Un peu de détente à présent avec les séances photos. Maquillage obligatoire. Ces photos officielles serviront de support aux cartes postales des équipes que s'arracheront les collectionneurs. Le soir venu, c'est détente et bonne humeur. La solidarité d'un groupe passe aussi par là. La nuit est tombée. La rentrée, c'est dans un peu plus d'un mois.